Eh bien salut tout le monde, c'est Muscaman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, la version PC. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'abord j'espère que vous allez bien. Donc oui, je disais, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite découverte en live de ce petit Call of Duty qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors j'ai vite fait vous checker ma petite classe. AK-12G, hein, n'est-ce pas, RW1 qui est un flingue vraiment space, qui a qu'une balle et qui one-shot pas forcément, donc c'est plutôt assez dur de jouer avec et voilà quoi, mais l'autre est vraiment pourri, le flingue de départ. En deuxième classe que j'aime bien, on a la KF5, qui me rappelle un peu la MPX de Battlefield 4 qu'on a dans le DLC, le dernier DLC Dragon's Teeth. Et puis qui est aussi un petit mélange de la MP5. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc là on va jouer K12, hein, je pense. Tac, donc on est parti pour un petit MME. Je pense qu'on va faire deux parties en tout. Ça risque d'être plutôt pas mal. Vous aurez bien entendu d'autres vidéos sur ce jeu parce que ça m'a réconcilié, on va dire. Call of Duty, au départ je devais pas l'acheter. Et comme vous savez, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, tous ceux qui avaient eu la chance de record du gameplay, c'est-à-dire tous les youtubeurs connus, hein, je vais pas les citer, avaient eu la chance de record du gameplay et pouvaient les sortir. Pouvaient les sortir. À 23h. À 23h hier. Pas hier, enfin. Dimanche soir, pardon, donc la veille de la sortie de Call of Duty, ils pouvaient sortir, en fait, il y avait un embargo jusqu'à 23h, et donc à 23h, toutes les vidéos de Call of Duty ont été lâchées sur YouTube. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais à faire à 23h? Voilà, je vais aller voir vite fait. Et du coup, ça m'a donné grave envie d'aller, de l'acheter, du coup, donc je me suis dit, vas-y, demain, tu vas l'acheter. Donc j'ai acheté l'édition Day Zero, là, et puis je me suis pris avec la petite manette de Xbox One édition Call of Duty, donc qui est vraiment plutôt sympa. Donc là on est parti. Alors le jeu est vraiment stylé. Au niveau des graphismes, alors là, gros problème, c'est que le jeu ne tourne pas sur tous les PC. Enfin sur mon PC. Putain, ils volent vraiment en haut. Ouais. GG. J'ai un putain de PC, hein, qui me permet quand même de jouer à BF4 en ultra en 60 FPS. Et bah Call of Duty, je ne peux pas y jouer. Ça me fait un peu chier. Je suis obligé de baisser les graphismes. Au niveau des graphismes, je suis en ultra, mais tout ce qui est... Attendez, pourquoi je me suis fait niquer comme une merde, là? Oh, dommage. Ouais, donc au niveau... Il tourne pas du tout sur tous les PC, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, bref, passons. Donc moi, je serais curieux quand même de voir la gueule qu'il a sur PS4 et Xbox One. De voir si il est plus beau que sur mon PC. Et ça veut dire qu'en fait ils l'ont juste adapté comme des gros ports sur PS4 et Xbox One, alors qu'en fait sur PC il est pas du tout optimisé. Donc ça, je trouverais ça un petit peu dégueulasse pour les joueurs PC. Voilà. Donc là je me fais la télécouille. Ouais, je me fais la télécouille. On prendra peut-être la KF5 après, juste histoire de se mettre bien. Hop, allez hop, le kill il est pour moi. On a pris le contrôle. Tac, donc vraiment, vraiment surpris de cette version qui est vraiment super cool. Non, franchement, je pense que je vais m'y mettre, mais alors sur console du coup, pas sur... Putain, comment je l'ai niqué comme une pute. Pas sur PC, je vais vraiment m'y mettre sur console. Alors après, j'aimerais bien avoir vos avis pour ceux qui ont une Xbox One ou une PS4, parce que, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs. Drone ennemi au-dessus. Drone de reconnaissance. Il y a plusieurs. Les avantages de l'acheter sur Xbox One, déjà, c'est parce que ils sont voilà, plus que piratés. Alors ça, c'est assez relou. Ils ont, on va dire. Ok, va se faire enculer, ça veut dire. Là, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Comment on dit, ils ont pas l'exclusivité, mais vous savez, les DLC sortent en avance sur les consoles de Microsoft, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, au niveau de l'e-sport, c'est sur Xbox One. Je sais pas que je vais me lancer dans l'e-sport, hein.
Putain, par contre, là, je fais vraiment un score de merde. Colis stratégique ennemi en approche. Peut-être découverte, les gars. J'ai pas amusé à faire des gameplays de porc. Alors, je sais même pas s'il y a un mode studio sur ce Call of. Donc voilà, donc pour ceux qui ont une Xbox One ou une PS4, et bah dites-moi sur quelle plateforme je vais choisir, parce qu'en sachant que ça va être sur des vidéos après. Hein. Putain, ce que je viens de lui mettre. Excusez-moi, mais là. Là, t'es très cher, mon gars, on va te toucher. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai pris cher, c'est à moi d'aller me coucher. En sachant que, bah oui, mes vidéos seront du coup sur soit sur Xbox One, soit sur PS4. Après, je vais pas non plus acheter que Call of Duty, hein, faut pas déconner. Hein, là, je le kiffe. Ça se trouve, je l'aimerai plus après. Mais ça m'étonnerait. Franchement, là, si je prends du plaisir là-dessus, je vais pas. Hop, toi, t'as essayé de me cut. Alors, beaucoup de monde cut, hein, j'ai l'impression que tout le monde a repris le. Par contre, là, il y a un mec qui me tire de là-bas. J'aime pas ça, là, parce que dans ce jeu, vous vous faites tirer dessus, mais laissez tomber, quoi. C'est impossible. Une fois que vous vous faites tirer dessus, vous êtes obligé de mourir. C'est impossible d'éviter ou de se retourner ou de faire je sais pas quoi, vous êtes mort. C'est sûr et certain. Là, on fait des 10-12, on essaie de rattraper calmement. On va peut-être passer par là, c'est pareil. Bonne idée, voilà. On va essayer de temporiser. C'est vrai que j'aime bien ce coin-là pour tempo, c'est plutôt assez sympathique. Je pense que ça va venir par là. Après. On va voir. Peut-être attendre un peu. Il n'y a personne là-bas, donc ça risque de prendre un peu la bonne. Peut-être s'éloigner. Bah, il y a un de mes coéquipiers qui a spawn, donc ça spawn là-bas du coup. Après, au niveau des spawns, je pense pas que ça devrait être trop compliqué à apprendre. Hop. C'est pas un gros commentaire de porc hein, que je suis en train de vous fournir là. C'est pas un truc de qualité comme on peut dire. Ah là là, j'aurais préféré qu'il me prenne mon kill plutôt de mourir quoi. Là j'étais vraiment en mode concentration extrême. Voilà. Lui il est bon au snipe depuis tout à l'heure, il me canne comme une pute. Non par contre ça j'aime pas du tout cette arme, le truc ultra abusé, un truc un peu laser, là j'aime pas trop ça. Notre drone est activé. Alors vraiment, non. Oh putain. Oh la grenade in the world mon gars. Oh si je l'ai... Oh en plus c'est à cause de moi qu'on se perd, je suis vraiment désolé là sur ce coup là, non. J'en ai juste rien à foutre. Donc il y a un truc qui est vraiment cool, et alors ça... Ça, vous devriez acheter le jeu, mais juste pour ça. C'est que quand vous putez un mec, son micro s'active. Et en fait, vous pouvez voir s'il vous insulte ou pas. Mais alors, c'est juste mais énorme. Parce que on termine sur du 12-16. Hein. C'est juste dégueulasse, mais on s'en bat les couilles. On va reprendre ça après. C'est, ça me suis arrivé bah, aujourd'hui, vu que je peux jouer que depuis aujourd'hui. J'avais buté un mec, et là, je vois son micro s'activer. Et le mec fait oh, le fils de pute. Comme ça, mais j'étais mort. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment trop rire. Et je trouve ça vraiment une bonne idée, franchement. Ça, je trouve ça vraiment cool de voir si les gens vous insultent ou pas. Alors, il y a un truc qui est bien aussi, c'est les personnalisations. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage. Ah, je préfère le petit bonnet, ça fait un peu vraiment stylé. Oh, il est grave stylé celui-là. Ouais, ça, je les ai déjà mis. Pantalon. Moche. Oh, on s'en bat les couilles du pantalon. Genouillère. Ah, elles sont plutôt cool celles-ci. Au niveau des bottes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Bon, on s'en bat les couilles. L'exosquelette, on va garder celui en cuivre parce qu'il est juste méga d'art. Le haut. Allez, on met un petit t-shirt histoire de se mettre bien. Ouais, on va pas partir au ski non plus. Ah, ça c'est stylé, mon gars. Oh, on va laisser. Alors, si vous entendez un vieux bruit de micro, bah je suis désolé. Ça vient pas de mon micro en fait, ça vient de l'ordinateur. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon, c'est pas grave.
Donc là, on est dans une espèce de truc, une espèce de prison. J'aime bien cette map. Après, je sais pas si on va retrouver le même plaisir de jouer sur certaines maps. Par exemple, sur Black Ops, c'était Ferengrange ou Nocturne, par exemple. Hein. Je sais pas s'il y aura ces maps-là phares, un peu, vous savez, les trucs qu'on retrouve. Par exemple, Modern 2, Terminal, qu'ils ont réédité sur NW3. Je sais pas s'il y aura ces maps-là, enfin, des maps que la communauté aime à mort, comme ça, et que tout le monde kiffe. Genre Doom, par exemple, aussi, sur MW3, qui était vraiment la map spécifique pour le snipe. J'ai buvé un coup de coca. D'accord. Donc voilà, il faut savoir. On va changer un peu d'arme. Hein. Match à mort par équipe. Ça vous dérange pas, on va prendre la KF5, que j'aime bien aussi. C'est le moment de leur montrer ce qu'on a Hop, toi tu dailles. Ok, donc là peut-être que je vais moins commenter, mais je vais essayer vraiment de me mettre en mode offensif et d'être putain de rapide. Alors, je vais essayer vraiment de la jouer vraiment rapide et tout. On va essayer de faire un truc bien. Drone ennemi au-dessus. Ah, on a un drone en plus. Je crois que c'est pas, bien sûr, ça va pas être cette classe-là où j'ai changé mes atouts que j'ai mis en invisible par les drones. C'était l'autre. Si on trouve personne, ça me stresse. GG, franchement, mec. Sur PC, c'est ça qui est stylé, c'est qu'il y a une putain de précision et les longs shoots passent plutôt crème. Donc quand vous volez, votre exosquelette... Oh le bâtard. Votre exosquelette se voit sur la minimap en fait. Enfin, ouais, quand vous volez comme je suis en train de le faire, ça se voit sur la minimap et du coup vous êtes... Par contre, ça va arrêter de me... Voilà, tu fermes ta gueule, quoi, c'est pas possible. Ok. Oh le bâtard. Je sais qu'il y a une partie là. Il est sérieux. Viens là, je t'attends, t'inquiète. Ah, dommage, franchement. Drone d'assaut ennemi dans les airs. Oh, bâtard! Franchement, lui, il est chaud. Alors, attendez, on va essayer de prendre le snipe parce que ça me paraissait une bonne idée. Les gens, ils ont l'air un peu chauds là. Je vais vite les refroidir. Là, vous voyez le snipe par exemple, là, il est vraiment. Oh là là, ce que je lui ai mis! Die, bitch! Putain, il me rappelle un peu le DS. Oh, il est stylé. Donc, c'est toujours la visée à la ghost, hein. Ce que je viens de lui mettre. Mais alors, c'était violent. Attendez, parce que là, lui, il va nous caler. Il va se calmer tout de suite. Ok, d'accord, il l'a calmé. Alors, le snipe sur ce jeu est vraiment cool, hein, franchement. Tu vois, j'ai pas envie de mourir là. Là, c'est le moment où tu te dis non, meurs pas. J'ai essayé un truc, mais bon, c'est pas trop passé. Ok, on est chaud, patate. Oh, dommage. De toute façon, ouais, là, normalement, j'ai pris ma classe snipe. Viseur holographique, ok, on passe craquer. Ok, donc ça, c'est un gentil. Passe à porte. Oh! Putain, je suis chaud. Oh, je suis chaud, les gens! Dommage. Putain, et là, franchement, les gens, faut m'applaudir. Gros commentaire de porc, mais là, putain, ce que je viens de leur mettre. Oh, c'était tellement beau. Grosse frag movie. Et là, je vois, mon logiciel ne récorde pas. Là j'ai le seum, vous voyez. Ah, ça peut pas passer à chaque fois. Hein. Alors, ce qui est un peu relou, c'est que, ouais, quand vous courez, bah, il recharge pas avec qu'une balle, mais... Le bruit du flingue est vraiment, vraiment stylé, hein, sincèrement. Vous voyez, on l'a entendu encore, là. C'est-à-dire qu'il y a un petit sniper, ça.
qui est sur le toit. Non, par contre, là. Par contre, là, j'ai pas envie de mourir. Alors, casse-toi. Voilà. Oh, dommage. J'allais. Franchement, j'appuyais sur la gâchette, il était mort. On fait du combien ? On fait du 7-6. On a une co de merde, je sais pas pourquoi. Les co sont assez instables, hein, quand même, hein, sur ce code. Enfin, pour l'instant, hein, c'est le début, c'est pour ça. Qui le fait, il m'a fait peur. Sur cadençage. Drone allié au-dessus. Oh, dommage, dommage, dommage. À chaque fois qu'on meurt, j'ai l'impression que c'est une migration d'autres. Je sais pas pourquoi ça devient tout flou comme les migrations d'autres. Je sais pas pourquoi. Et putain, là, j'enchaînais comme un porc et maintenant je suis devenu une merde. C'était la chance du débutant, vous voyez. Ok, toi tu tailles. Il y en avait un deuxième. Dommage. Dommage. Hop. Vas-y, recharge, recharge, recharge. T'inquiète, pas de temps. Dommage, franchement, dommage. Alors, les quicks. Ouais, c'est toujours possible. Hein. Les quicks et les flashs. Les flash cop et tout, c'est toujours possible. Après, là, c'est vrai que c'est pas trop le viseur adéquat. Ah, dommage. C'est vrai qu'on est. Ouais, bah, ça reste toujours la classe un peu la moins offensive. Ah, dommage, dommage. Là, j'ai fait le con. Regardez ce qu'on va faire. Ah, putain. Bah, lui, il m'a vu sur les mini-cartes, c'est sûr. Drone allié au-dessus. Là, je suis vraiment concentré pour pas vous offrir un truc trop dégueulasse, même si je fais de la merde. Hein. Je veux quand même vous montrer un petit peu mon niveau. Drone de reconnaissance ennemi en approche. Là j'en ai loupé beaucoup trop. Ah, va te faire enculer par derrière. Bah c'est sûr, de toute façon vous pouvez pas camper plus de 10 secondes sur les toits parce qu'il y a toujours quelqu'un pour Ken. Donc ça c'est plutôt bien. On a perdu. Une défaite écrasante. On a perdu mais vous avez intérêt à vous j'ai fait 2 scores négatifs mais juste pour les putains de kills que j'ai enchaînés. Faudrait que je me repasse un ralenti, je trouve. C'était juste magnifique. Franchement, c'était vraiment kiffant. Bon, allez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, je vais vous en refaire d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce que vous en pensez de ce Call of Duty et sur quelle plateforme vous aimeriez me voir, que ce soit sur PS4, PC ou Xbox One. À vous de me dire. Moi, sur ce, je vais vous laisser, les gens. Portez-vous bien. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. You're not here anymore.